Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning. Dans le studio, on a monsieur Ulrich Ndembi et monsieur Mapiku Mohamed, c'est ça? Mohamed, c'est vous? Exactement. Et vous ressemblez à un Mohamed. Et vous à un Ulrich. Oui, parfait. C'est bizarre, les gars, d'aliens chez vous, venez toujours avec des têtes qui ressemblent à vos prénoms. Non, mais c'est cool. Alors, c'est cool. Qu'est-ce qui se passe là-bas? La dernière fois, on a eu des gars de l'INSG ici. Mm-hmm. Ils sont venus parler d'une journée qu'ils organisaient. Et vous organisez. Ça, c'est une autre journée. Oui. Ah, eux, c'était la junior entreprise. Exactement. C'était la journée porte ouverte de l'Institut National de Sciences et Gestion. D'accord. Et là, nous, on vient avec le concept de la journée du manager. Mm-hmm. Nous sommes le club management de l'Institut National de Sciences et Gestion. Et nous organisons la journée du manager ici. Et notre club d'abord, il a pour objectif d'inciter les jeunes étudiants à l'entrepreneuriat et lui donner des outils managériels. Mmh. Et pour une première à l'Institut, nous allons recevoir la plupart des incubateurs de l'Institut au terme de notre... La plupart des incubateurs de l'Institut. De Gabon. Ah, vous avez inquiété. Vous avez combien d'incubateurs là-bas? D'accord, les incubateurs du Gabon, ok. Notamment Ogoué Labs, G Labs et j'en passe. Mmh, mmh. Qui sont bien de la part. J'en passe aussi, c'est un incubateur. Pas du tout. La vraie, c'est le frangin des biens d'autres. Ah, c'est le frangin des biens d'autres. Même famille. Donc, vous allez organiser une porte ouverte, une journée porte ouverte. Non, pas non. Du tout. Session de la journée du management. La journée du management. C'est quoi le management? Ça va. Parfait. Le management ici, on peut définir le management comme l'ensemble des techniques qui permettent à une entreprise de atteindre ses objectifs. Mm-hmm. Mais elle est plus basée sur les humains en fait. Elle est différente de la gestion. La gestion ici, ce sont des techniques qu'une entreprise utilise afin qu'elle puisse optimiser son rendement. Pardon. Et le management, c'est gérer les hommes, quoi. Gérer les hommes. Est-ce que le club management donc de l'Institut existe depuis combien de temps? Ça fait 8 ans, depuis 2011. Mmh. Elle est créée par monsieur Geoffroy Fumbula. D'accord. Mais on connaît Geoffroy Fumbula. Ouais, ouais, Geoffroy Fumbula Libeka. Libeka. Étant donné que vous faites la promotion de l'entrepreneuriat auprès des étudiants de l'INSG depuis 8 ans, quand je dis vous, le club, est-ce qu'aujourd'hui vous avez des exemples d'entrepreneurs ou d'entreprises issues en fait ou qui ont été motivés par le club entrepreneurial de l'Institut de gestion? Vous avez des success stories? Oui, il existe beaucoup de success stories. On peut prendre déjà l'histoire du monsieur le président fondateur qui est déjà l'un des éléments les plus forts en monde entrepreneurial en ce moment et qui est quotidiennement, je crois qu'il est responsable du pôle entrepreneurial d'Ogoué Labs en ce moment. Et d'ailleurs, pour une première, à l'Institut depuis la création, il n'y a jamais eu un concours d'entrepreneuriat. Et cette année, c'est ça, le vrai projet du club management, on a emmené le concours de l'entrepreneur de l'année au sein de notre établissement et la finale aura bel et bien lieu le 29 dès 14h à l'Institut. Mohamed, c'est ça? Exact. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous allez offrir à l'entrepreneur de l'année de l'Institut de gestion? De base, lorsqu'on a présenté le concours aux différents étudiants, on n'est pas allé dans l'optique de leur présenter un lot s'apparentant à des millions ou quelque chose de ce genre parce que nous n'en avions pas. Donc, on est parti sur la base de leur offrir la capacité de réaliser leur projet et de se réaliser eux-mêmes. Et de ce fait, on s'est arrangé avec les différents incubateurs qui seront invités pour voir dans quelle mesure ils pourront prendre les finalistes ou les vainqueurs afin de les former, les aider à mettre en place leur projet. Parce que, par exemple, je vais un peu spoiler les projets, mais juste dans l'idéologie, il y a par exemple des personnes qui cherchent à développer des applications. On a contacté un incubateur, un G-Labs, qui font dans les NTIC, les nouvelles technologies de la formation et de la communication. Donc au sein de G-Labs, ils ont par exemple des développeurs, des codeurs de talent. Et donc, si on a un des finalistes qui veut développer une appli, lorsqu'il ira là-bas, eux, ils vont l'aider à développer une appli, et ce, à des frais, on va dire, très réduits, on va dire même un zéro franc, en fait. Et ça vaut plus que n'importe quel million, le fait de pouvoir réaliser son projet. Donc, c'est un peu ça. Je comprends mieux. Alors, aujourd'hui, donc, le club management, comment est-ce que les étudiants font? Étant étudiant à l'Institut de gestion, on est directement membre du club management ou on s'inscrit? Si on s'inscrit, combien de membres avez-vous aujourd'hui? L'inscription. On passe par l'inscription pour être au club management. L'inscription s'élève à 1 500 francs. 1 500 francs.
Et 1500 francs, tu bénéficies de toutes les formations. Aujourd'hui, de toutes les formations organisées par le Club Management. Aujourd'hui, le Club Management, toutes les formations sont accompagnées par des professionnels de la place. Mmh. On a eu des responsables de l'administration de UPA et d'autres. Et là, on organise en ce moment une formation en leadership avec le coach Sylvain Boussamba à hauteur de 15 000. Or, une formation en leadership, elle vaut 115 000 francs. D'accord. Alors, c'est quand la journée du manager, du management, du club management de l'institut? C'est le 29 juin dès 14h. Le 29 juin, c'est quel jour? C'est samedi. Vendredi, c'est samedi. Samedi. D'accord, dès 14h. Il y a un barbecue, il y a des trucs comme ça. Il n'y a pas de fric. Il n'y a pas de ça. Vous êtes des gars, vous êtes à l'INSG. Vous n'arrivez pas à faire de levée de fonds pour vos clubs, associations. Les autres, dans les autres pays, ils font ça. Normalement, vous apprenez, c'est ce que vous apprenez à l'école, à faire gagner des entreprises de l'argent. Mais comment ça, vous êtes incapable de gérer des ways comme ça? Mais ils ont déjà la tête qui produit. S'il te plaît, ne dis pas que nous sommes incapables, en fait. Je pose une question. Hein. J'arrive. C'est une question, c'est pas une affirmation. J'arrive. Parce que, par exemple, pour la question des fonds... Vas-y, Mohamed, la question des fonds, elle est assez complexe. Pour ce qui est de l'organisation de notre événement, nous avons déjà réussi à lever ce dont nous avons besoin. Et il faut rester dans la ligne directrice de ce que nous voulons organiser. La journée du manager n'est pas une fête. Ce n'est pas un événement. Il n'y a pas un petit espace. Nous, on n'aime pas les fêtes. Non. On est là pour travailler. Je suis d'accord avec vous. Tout ça, c'est la très fête, bien. Hein, vous êtes là pour travailler. Exactement. Est-ce que vous avez les statistiques sur la capacité productive des étudiants qui sortent de l'INSG? Oui, mais on vous prend ça hors émission. D'accord. Je vais soulever un fait. Oui, soulève. J'étais un peu inquiet de savoir que, au sein de notre établissement, il y a des étudiants de master qui ne connaissent pas l'utilité d'un incubateur. Il y a des gens, en fait, au sein de notre établissement, ils ont des très beaux projets, mais ils ne savent pas où bloquer leur projet. Et nous, on donne la possibilité aux étudiants, cette fois-ci, de venir. Ils auront la capacité de bloquer leur projet sur place, de connaître le rôle des incubateurs. Si je fais dans le numérique, je peux me diriger vers dans tel incubateur, tel, ainsi de suite. Je crois qu'on a la présence de G-Labs, par exemple, qu'on avait en peine de connaître G-Labs. Et c'est vraiment le top des top G-Labs. Au Go-Labs, on n'en parle plus avec l'école de 141. Pour moi, c'est l'école du 21e siècle. L'institut est devant, quoi, bien sûr. L'institut est devant. Justement, j'ai envie de vous demander, vous êtes au contact de vos collègues étudiants tous les jours. Quelle est la mentalité d'un étudiant de l'institut de gestion? Je veux dire, comment en master aujourd'hui, on arrive à ne pas savoir à quoi sert un incubateur et à ne pas savoir les incubateurs qu'on a au Gabon aujourd'hui? Est-ce que l'étudiant même de l'institut de gestion se voit encore comme l'étudiant qui, au sortir de là, va être pris à Bichig, à BG, et puis on va l'appeler au ministère des Finances, où ils ont compris qu'il y a de nouveaux enjeux maintenant et que on ne prend plus les gens comme ça. Le bureau chaque matin. Voilà l'objectif du Club Management. Nous, on est là, on sent la conjoncture économique au fait. Et nous, on veut anticiper parce qu'être un manager, c'est un visionnaire. Qui dit vision, dit du leadership, tu vois. Donc nous, étant que manager, jeune manager, on veut anticiper le futur. On sait qu'il n'y a plus d'emploi. Mais pourquoi nos jeunes frères dorment encore? Donc c'est à nous de les inciter à maintenant entreprendre. Voilà l'objectif aujourd'hui, d'inviter tous les incubateurs afin qu'ils puissent prendre connaissance des différentes difficultés que l'économie tient en ce moment dans notre pays. Ah, moi j'aime beaucoup le Club Management. Mais j'aime pour les incubateurs. Le riche ou le club? Non, le club. J'aime beaucoup. C'est la philosophie du club. Est-ce que là, vous avez le GELAB, vous avez Ogwelab, il y a aussi la SING. Il y a l'incubateur multisectoriel de Libreville, il y a GE Gabon, il y a tellement de choses. Il y a Urban FM aussi. Oui, il y a Urban FM. Il n'y a pas de problème. Vous allez nous inviter. Donc, si les incubateurs que vous n'avez pas encore contactés aujourd'hui vous écoutent et sont intéressés à prendre part à votre événement, où est-ce qu'ils peuvent vous contacter? Et l'autre question, est-ce que c'est ouvert aux autres étudiants? Tu sais, les étudiants des autres établissements là qui n'ont pas du club management chez eux là. Oui, chaque fois que nous organisons un événement, il est ouvert à tout le monde. La preuve, c'est que le concours, la formation sur le leadership, c'était fait seulement pour les étudiants de l'institut. Mais après, on a reçu des messages d'autres établissements qui voulaient participer. On a négocié avec le coach et le coach Sylvain, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Il a dit, il n'y a pas de problème, tout le monde peut être arrivé. Mais même là, je crois qu'il y a même des artistes qui participent à la formation. Parce qu'on a donné la possibilité à tout le monde de profiter. Les différentes formations qu'on a eues sur le rôle du manager au sein d'une entreprise avec l'un des responsables de UBA, on a laissé la possibilité aux autres écoles d'arriver. Donc, peu importe
quel que soit ton établissement, tu es la bienvenue à l'Institut. Rappelez-nous le jour. Le 29 juin à partir de 14h. Vous avez des contacts? Oui. Vas-y. 04 90 91 58. Et la page Facebook, Club Management ING, ainsi que celle Instagram, et il y a notre mail hein, dessus. D'accord. ING, clubmanagement@gmail.com. Mohamed et Elrich, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Vous souhaitez passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci. Start Fresh Morning.